Voilà, donc me voici en gare de Douai où je vais rencontrer mon youtubeur préféré. Je suis comme une petite pucelle qui va rencontrer juste un Bieber. Oui. Je plaisante. Non mais par contre, je suis content de ouf. Donc à mon avis, ça va être un week-end d'anthologie. Un truc de malade. Voilà. Parodix. 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 Oh. J'ai pas ce descendre. Il est où, Paro? Il est où, Paro? Paro. Paro. Oui, je gueule, je m'en fous des gens. Oh putain, Parodix. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cognas. Ça va? D'accord. Bon. Pas grave, il y a un autre. Ladies and gentlemen, les pâtes de Dieu. Voilà, les légendaires pâtes à la carbonara. Et encore là, c'est farci au Saint-Vergeron maison. Que je pourrais pas manger parce que j'ai une énorme chiasse. Exactement. Et il a trait le Saint-Vergeron devant moi. Voilà. D'ailleurs, j'en ai encore un petit peu de traces sur les mains, même si on le voit pas. Ça, c'est le, c'est celui qui est de meilleure qualité et tellement fin que tu le vois pas. Voilà. Donc voilà le lieu où la magie se crée. Voilà. J'aime bien en plus les pâtes à la carbo. Ah oui, ouais. Moi, je sais pas. Oh, bah quoi, ma petite soeur, elle va voir les pâtes à la carbo, elle va péter un câble. Et encore, normalement, il est fait avec les spaghettis, mais là, je sais pas pourquoi t'as sorti les coquillettes. Non, ça change les coquillettes. Ah, c'est pas beau ça. Alors, les petits morceaux, non, ce ne sont pas des morceaux de saucisse, ça. Hein. Ce sont c'est... des grumeaux de Saint-Vergeron. Voilà. Ouais. Dis bonjour. Dis bonjour ma père. Bonjour. Coucou. 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 Bien. Et bisous. Oui, là c'est toi, là c'est lui. Faut faire chier, il allait changer en pervers. Putain. Ouais, ouais, j'allais me mettre en pervers et tout. Ah putain, fais chier. Bon, puis on le refait bien. Ouais. Voilà. À part tu fais en alors, pervers. Couillasse. Avec une bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous les gens? C'est génial. La scène ratée qu'on a dû refaire. Yes. Allez Maxime, fais le petit avec le pervers. Ah tu veux lui faire peur. Il y a des mineurs au menu. J'ai trouvé une ça concurrente. Sent le caca, non? Non, c'est tout à l'heure. Je vous présente Thérèse. Du fromage, je ne sais quoi. Oh, je vois ce beau chemin de lèvres. Voudrais-tu te taper de la bite? Oui, pourquoi pas? Ça sent le caca. Bah, bonne soirée. Salut, ma couille.
Et surtout, amusez-vous bien à vous titiller l'anus. C'est important ça. La prostate, messieurs. La prostate. Allez, bah ciao. Il n'y a pas le coup de la porte qui s'ouvre comme à Amiens. Je voulais montrer mon cul, mais il y a des gens. Je m'en fous, moi. Regarde mon cul. Voilà. Changeons votre regard sur Monsieur Parodix. Vous écoutez très attentivement. Oh non, pas faire rien. Pas faire rien. Merci beaucoup. Alors, bonne nuit à tous. Il est bien. Non, c'est sa voiture. Oula, il a raté. Ils vont se faire un Mario Kart. Attention. Allez, la couille. Attends, j'ai une étoile. Aïe. Ah, je me suis fait mal. Game over. Bon, alors j'ai pas eu le temps de faire un compte-rendu du week-end avec Paro et Laetitia, tout simplement à cause d'un problème de timing. Donc je vais faire le compte-rendu de la Team Hangout Chronicle 2 dans le train en loose day tout seul. Donc c'était un super week-end pour ma part, je pense que Laetitia et Paro ont pensé la même. Donc Benoît, Laetitia, puis même Aïlène, hein, je vous fais une grosse bise, j'espère qu'on remettra ça assez rapidement. Puis voilà.